En Inde, les prothèses mammaires seront gratuites pour les plus pauvres. Pourquoi les soins de beauté ne pourraient-ils pas être disponibles aux pauvres? La beauté est un droit et tous devraient y avoir accès, selon le gouvernement indien. C'est donc tout naturellement que le 21 février dernier, l'État du Tamil Nadu, au sud du pays, a décidé de proposer aux plus pauvres des implants mammaires gratuits. Pourquoi les soins de beauté ne pourraient-ils pas être disponibles aux pauvres? Si nous ne rendons pas ces opérations accessibles gratuitement, ils pourraient opter pour des méthodes dangereuses ou prendre des prêts énormes pour cela, a déclaré C. Vijayabhaskar, le ministre de la Santé au après un cancer ou pour des raisons esthétiques et selon le responsable du département de chirurgie plastique où ces opérations auront lieu, le docteur Vramadevi, les femmes pourront s'y refaire là après un pour des raisons esthétiques. Certaines femmes envisagent l'opération, car elles font face à des problèmes psychologiques qui ont un impact sur leur vie, souligne Tetel. Une prise en charge gratuite pour les plus démunis, une clinique de chirurgie esthétique, gratuite au Stanley Medical College, SMC, un collège médical gouvernemental où auront lieu les interventions, a même été ouvert par le gouvernement. Si cette décision peut paraître surprenante et superficielle, cette décision ne concerne pas que les opérations de la L'établissement accueillera les plus démunis, des enfants ou adultes, afin qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge gratuite que ce soit pour des blessures complexes ou encore des greffes. Une décision qui ne passe pas en Inde, cette annonce ne fait pas l'unanimité au sein de l'État du Tamil Nadu. Les Indiens regrettent que le ministère concentre ses efforts sur la chirurgie plastique plutôt que sur d'autres problèmes de santé publique. CFS Ali.